La cérémonie de la remise des diplômes de fin de formation de la deuxième promotion du Centre de formation biblique et de théologie Paul de Tarse a eu lieu ce dimanche 6 août 2023 à Yaoundé. Baptisé promotion Isaac, le promoteur encourage les serviteurs de Dieu à se faire former. D'ailleurs, l'appel, que vous soyez prophète, pasteur, docteur, apôtre, nous formons toute catégorie. Nous apprenons le grec, nous apprenons l'hébreu, nous apprenons les règles d'interprétation, l'herméneutique, la christologie, la pneumatologie, la sotérologie et toutes ces matières qui sont importantes pour les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent servir le Seigneur dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous étions là pour graduer 17 étudiants et le long de leur formation n'a pas été de tout repos. Il y a beaucoup qui sont découragés parce que certains c'est le temps, d'autres c'est... des circonstances qui parfois ne sont pas mentionnées, ne sont pas dites, mais la connaissance en fait est l'une des choses la plus combattue par l'ennemi. Il est important de se faire former, mais à côté de ça, n'oublions pas que la connaissance ne suffit pas. La connaissance doit être accompagnée du caractère de Christ, parce qu'un serviteur de Dieu accompli est celui-là, est irréprochable dans le caractère. Donc c'est le conseil que j'ai donné aux lauréats. Plus de 23 modules ont été dispensés pendant 11 mois avec deux catégories, les cours présidentiels et les cours en ligne. Ces jeunes apprenants sont encouragés à refléter l'image de Jésus-Christ dans leur caractère. J'ai dû chercher dans toute la ville pour voir là où me former, là où me bâtir davantage, parce que la connaissance est tellement importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un leader, dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est pour cela que j'ai opté pour aller me faire former. Il me manquait quand même ce pan. Au jour d'aujourd'hui, je suis ravi, comblé de cette formation parce qu'elle a apporté véritablement dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle et dans le ministère dans lequel je suis. En fait, je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui m'a accordé la grâce de pouvoir suivre cette formation et arriver jusqu'à la fin. En fait, étant que mon mari est pasteur et formateur de centre de théologie Paul de Tarse, il a fallu du temps pour que j'aille à l'école de théologie. Ce n'était pas facile, je résistais. Mais avec la grâce de Dieu, moi-même j'ai compris que l'école est nécessaire. C'est que lui-même dit dans sa parole, dans Osée 4, 6, que mon peuple périsse parce qu'il lui manque la connaissance. Après cette brillante sortie, je ressens un sentiment de joie qui me comble. Qu'enfin je suis sortie, cette formation que j'ai tant résisté depuis des années. Le Centre de formation biblique et de théologie Paul de Tarse est la réponse de Dieu pour ceux qui ont soif de la connaissance et souhaitent se révolter contre l'amateurisme, l'infiltration d'hérésie dans l'église de Dieu vivant. Le rendez-vous a été donné pour la prochaine rentrée académique le 23 septembre 2023.